sais plus. Je pourrais pas vous aider. Alors faut que je déplace le jeu parce qu'il est il s'est ouvert du mauvais côté. Quel enfer. Et en fait le truc c'est que voilà. Je peux rien déplacer. Je vais faire une technique infaillible. Ne plus vous regarder. Et de changer notre affichage. Bon bah. Ah oui, ça joue du coup pas la manette, bien entendu. Ah, c'est très fort, non? Et on peut pas changer l'anglais. Phoebe, est-ce que c'est complet? Juste une seconde, Carlton. La robotique avancée n'est pas si simple. J'ai attendu tout un week-end. Ça m'a juste pris un mois à le faire. À augmenter, à mettre à jour, ça devrait prendre 30 minutes. 30 minutes? Ton processeur de mathématiques est cassé? Ouais, tranquille, hein. Quelques vis, c'est bon. Ok, T'es prête? T'es prête? Ok. J'ai enfin installé le floppy disk. Attendez, le son, il a l'air énormément fort et j'arrive pas à baisser. Hein. Donc. Voilà. Désolé. Si vous voulez qu'on passe en no hub, voilà, comme ça c'est mieux. Que fait ce floppy disk? Eh ben, on va le savoir. J'ai tout fait pour que le programme. Quoi. Tout mis, j'ai mis un spécial programme dedans. Oh, on peut l'essayer? Oui, bien sûr. Donc regardez, ça c'était un méchant dans Dicey Dungeons. Il me semble. Il ressemble au méchant dans Dicey Dungeons. En tout cas, tout le style est de la même personne, on dirait. Je les appelle le Floppy Knight. C'est des projections tangibles qui peuvent, avec des éléments séquencés de magie dans le code. Peuvent toucher, attraper et peuvent taper mes outils. Maman et papa seront alors, always on me to take on magic. Ouais, ils veulent tout absolument que je devienne professeuse, professeur. Mais je j'arrête pas de leur dire que la magie c'est overrated. La science c'est les vrais bons, les vrais bails. On sait que c'est floppy disk, c'est alors floppy disk, c'est la disquette. Donc là, c'est des combattants floppy, donc je sais pas comment on pourrait dire. On va nous aider à trouver du taf. Vas-y, on va voir si on peut le faire, Carlton. Carlton, je suis prêt quand tu es prêt. Ok. Il y a marqué saving avec la disquette qui tourne. Donc. On commence par les basiques. Simulation d'entraînement. Pour les oreilles, hein, si ça crie trop. Je peux pas changer encore. C'est important de s'amuser. La bataille commence. Donc voilà, le but c'est de déplacer. Ça peut être un très bon tapon. Un très bon kicker. On va se battre avec... avec les choses que j'ai déjà faites, les floppy knights que j'ai déjà fait. Ah, c'est un jeu de cartes, trop bien. Là, c'est Captain Tisto. Il a 5 de vie, 4 d'attaque, 3 de agilité, j'imagine. Et 1 de critique. Oh, je peux voir les stats. Donc, HP, c'est la vie. Et donc, ça descend jusqu'à 0. Attaque. Speed, donc agilité. Et range, ah oui, c'est la distance d'attaque, ok. Donc là, c'est principalement un combattant de corps à corps. Bah, c'est ce que j'ai fait, non? Le bruit, attendez, parce que le bruit est très très fort. Je l'ai baissé comme ça. Il y a que moi qui l'ai fort, peut-être, remarque. Pause, ok, mort info, ok. Tu peux voir sa vie. Ok. Ok.
Ouais, il y a un moment où notre commandant génère une carte spéciale au début et on peut tirer 5 cartes. Ok. Je pensais pas que ça allait être un jeu à cartes. Vous voyez bien du coup, parce que je sais que la caméra là peut gêner du coup. Peut-être que je vais la surélever. Attendez. Je vais regarder ça. On va surélever un peu la cam. Comme ça. Voilà, là ça devrait être bien. Maintenant il y a une unité sur le terrain, on peut jouer d'autres cartes. Okay. Mais on a un nombre limite d'énergie. Ok, c'est 5. On peut voir le coût des cartes. Et si tu veux t'en débarrasser, tu te déplaces avec ça. Okay. Et si tu veux relancer tes cartes, ton deck, tu peux appuyer ici. Ok. Non. Essayons d'utiliser la carte spéciale de Capitaine. Je la mets sur lui, hein. Ouais, il est prêt à bouger. Donc là, il a gagné un de speed et il peut bouger tout de suite. Ok. Y a plusieurs manières d'attaquer. Vois cette icône? Oui. Je vois cette icône. Chaque unité a une attaque et ça coûte l'énergie de l'utiliser. Ok. Je vois cette icône. Ça veut dire que ils n'ont pas encore utilisé l'attaque. D'accord. Je devrais cliquer sur le droit pour activer son attaque gratuite. Ok. Je vais attaquer. Et ça fait vibrer ma manette, donc du coup j'imagine qu'on peut jouer la manette. Et tu remarques que l'icône est partie, ce qui veut dire que il peut plus attaquer gratuitement. Ça viendra à chaque tour. J'ai du coup une carte en plus. C'était incroyable, on est si puissant. On devrait essayer plusieurs fois. Ouais, je pense qu'on est prêt à trouver un boulot. De l'argent. J'adore quand tu utilises des phrases humaines. Allons-y. On parle encore de thunes. Salut maman, salut papa. J'espère que nous ne t'interrompons pas. Ta maman et moi, on te cherchait pour te parler. À propos d'un boulot. À propos d'à quel point j'avais besoin d'un boulot, je sais. On me l'a déjà dit des millions de fois. Baby, tu as 16 ans dans le libéralisme. Il faut que tu travailles à partir de 16 ans. Ce serait intéressant pour avoir ta retraite à 65 ans et un peu plus tôt si tu as envie. Ah, d'accord. On est inquiet à propos de toi. Je demande que. I demand you to get out of there and enjoy life. Ouais, bon, vas-y, sors. Ouais, c'est ça. Prends tes responsabilités, trouve un boulot. Et fais toi des amis. J'ai des amis, j'ai Carlton. Oui, mais tu as créé Carlton sans offense. Sans offense, nonobstant. J'ai un plan. Je vais me trouver un job chaud. Et je vais vraiment me faire de l'argent en plus. Et tu vas acheter ta propre maison? Haha! C'est vraiment des buts lofty et de luxe, j'imagine. La plupart de mon âge font ça. Lol. J'ai fait une invention qui pourrait m'aider à travailler. Et je l'ai complétée. Juste à temps pour la compétition de gadgets. Si je gagne premier prix, je gagne du coup tout l'argent. Ok, tu vas aller à la coupe pour les gadgets. C'est le tournoiement enfin le tournoi de science qui tiennent chaque année. Oui, c'est cette année. Et ils ont décidé que je suis suffisamment âgé pour le faire. On va se faire de l'argent vite. Tu sais qu'avoir des responsabilités assez régulières.
et des gens qui dépendent de toi n'est pas forcément une bonne chose, une mauvaise chose. J'ai utilisé ma magie du feu pour faire plusieurs choses dans cette ville-là. Et tout le monde l'aime pour ça. On est tout le temps inondé, inundated. On est vraiment inondé, ouais, de remerciements. Avec des cakes, avec des gâteaux. Et on a dû acheter un second frigo. Vraiment fier de toi et de à quel point tu es talentueuse. À construire tout ces trucs de technologie. Mais ton plan ne va pas marcher. Tu devrais travailler dans le blacksmith, c'est quoi? C'est la ferronnerie, ferrerie, comment on dit? Ah, je sais plus. Avec ta mère. Au moins avant que tu trouves tu trouves quelque chose de stable. Ok, ça marchera, mais j'ai déjà trouvé plusieurs petits boulots. Donne-moi quelques jours. Ok, on va te laisser. Ok. Il y a du lore ou le petit boulot a l'air important. Ok. C'est quoi qui se déplace? Bah, c'est. Voilà, hein. Okay, les bandits. On va devenir bandit, trop bien. Yeah. Le boulot est dur, mais apparemment, il faut. Cette ferme est à l'extérieur de la ville. Je me demande comment mon client est. Ça semble très officiel, client. Boulot. Regarde, Phoebe. On va bientôt ne plus avoir besoin de nos parents. Ah, Carlton, on doit vraiment travailler notre politesse, nos manières. Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que c'est vous qui avez posté le job? Ah, tu dois être Phoebe. Je pensais que vous étiez deux. On est deux. Je suis Carlton, une intelligence artificielle de bras, créée par Phoebe. Ouais, c'est bien. Quel est le problème? Dans le job, il disait que vous êtes terrorisé par des gobelins végétariens. Oh, ça me fait penser à un truc. Attendez, attendez, parce qu'on en a parlé déjà la dernière fois. Les gobelins végétariens. Si vous n'avez pas suivi Chronologie des femmes artistes, il y a Les vampires végétariens, qui est une œuvre. Donc je vais vous montrer les. C'est quand même une super image. On en avait parlé, qui mange par contre, je suis désolé, Tomato Jules, des tomates, entre autres. Voilà, no offense, j'espère. J'ai cherché une grande image. Et je vais vous la montrer. Grande image, si possible. Ah, elle était censée être grande, elle est pas grande, je comprends pas. Ah si, ça y est, elle charge. Alors je vais vous montrer. Hop, hop, hop. Vas-y, charge. Il veut pas charger. Donc Les vampires végétariens, qui est une œuvre de Remedios Varo. Ouvrir l'image, on va faire comme ça. Voilà, donc du coup, les vampires végétariens. qui ont un super look, hein, n'empêche. Hein. Il faut bien le dire. Et ils ont des petits animaux attachés à eux. Alors j'espère que vous appréciez quand même de voir cette œuvre. Encore les vagues, les méchants qui écrivent les histoires. Briscouturier, mince, enfer. Pardon, pardon, pardon. Je vous montre l'œuvre en entière. Si on peut dézoomer bien. Oh, ça dézoome bizarre. Voilà, ça ressemble à ça. Voilà. Ça, c'était pour vous. Et on va revenir au jeu. Ouais, Remedios Varo. Si vous voulez chercher, je vous mets le nom. Remedios Varo. Donc ça s'appelle les vampires végétariens. C'est une très bonne idée, je trouve. Écoute, petite, j'ai essayé de tenir ma ferme.
Mais il y a eu des gobelins de la forêt qui ont commencé à venir fouiller dans mes plants. Peut-être que on pourrait faire plus de carottes. Comme ça. Peut-être qu'on pourrait vous planter des carottes. À quel point ça peut être dur. Ça a l'air de beaucoup de boulot. Je dois juste faire attention et faire attention et les laisser loin de mes champs. Ok, j'adore faire attention aux choses. J'ai pas besoin de cligner des yeux. Donc je suis très fort à ça. Ok, mais est-ce que vous pourriez? Voilà. Des quoi? Des graines? Je voulais parler de l'argent, comment je vais faire ça? Je peux faire vraiment de l'argent en plantant ces trucs. Maintenant, prends en charge mon problème de gobelin. Ok, mais j'espère que tu laisseras un peu de tips quand on aura fini. Allez, on a repéré les choses. Quoi? Les gobelins? Ils sont ici. J'ai dit que j'étais très fort. Le Hyper Sniper. Check it out, Florence. Donc, ça veut dire, ouais, regardez les gars. Je ne sais pas quelle magie elle fait, mais... Il y a l'air de l'avoir de la bouffe sur le sol. J'adore. Allez, remplissez vos sacs. Et c'est le gosse. Qu'est-ce qu'ils font? Trappe-les. Le combat commence. Je lance un autre jeu de mon côté, du coup je vous laisse mon stream. Merci Tomato Juice, merci. Si vous connaissez pas Tomato Juice, allez voir sa chaîne TikTok d'influenceuse réseau. On va commencer par lui. Je peux attaquer direct là. On va augmenter sa vitesse. Oui, c'est comme un leader, oui. Tu peux pas laisser des. Oui, tu peux pas laisser le taper autant, oui. Oui, on perd si on. Ok. On peut voir en cliquant droit. On peut cliquer sur eux pour voir et vérifier leur range, donc leur capacité. Donc là, par exemple, il peut pas me taper. Enfin, si, il peut me taper, mais si je m'avance, c'est bon. Donc, on va faire ça. Attaquer tout de suite. Il peut pas me taper, il peut pas me taper, il peut pas me taper, il peut pas me taper. On est bien parti. On va faire un petit peu de... On va faire une partie et après je vais y aller. Ah ouais, lui il bouge pas des masses. J'aurais peut-être pas dû le mettre là, du coup. Ok. Vous allez rire, faut que j'aille aux toilettes. Lol. Attendez, je reviens. J'arrive. J'arrive d'ici peu. Le jeu, tu m'attends. Hein. A tout de suite.
Kerr. Pardon, chez. Oh, Marc. Allez aux toilettes si vous avez envie. C'est la base. Alors, bon, du coup, on a joué de n'importe comment parce que là, on va se prendre un coup et il va die notre peau. C'est bon, là, je peux jouer ou. Bah, la souris. Ah non, c'est pas, je suis passé en. Je porte pas. Voilà. C'est bon. Du coup, je préfère jouer à la souris, c'est mieux. Est-ce qu'on ferait pas un truc? Parce que je crois qu'il va. Ouais, il va s'approcher. Non, je peux pas le taper là. Ok. On va laisser là lui. Ok. Je sais pas, flip the card to transform into. Ah, je peux tenter ça. Ça veut dire quoi? Je fais quoi? Flip to rip, je comprends pas ce que ça veut dire. Okay. Sauvegarder des trucs. J'imagine si je fais ça. Je sais plus ce que c'est. Ah oui, c'est je gagne un point. On va aller le taper, tu vois, tant qu'à faire. Oh, on l'a bloqué là de toute façon. Je sais plus ce que je sais plus. Je sais plus comment on joue. Au moins il est bloqué. C'est le tour de Fibs. Donc certains terrains donnent des bonus, comme c'est comme cette forêt. Mais par exemple, on peut pas monter dans les arbres. Voilà. Ah, fallait pas que je perde mon pot. On pourrait recommencer ou pas hein? Donc ça, on est en attaque poison. Enfin. Ouah, laisse-nous tranquille. Et qui tu parles de perdant? Eh, hey, bande de sales gosses, arrêtez, c'est à moi. Oh, la dame en colère est ici. Allez, attrapez ce que vous pouvez. Ne reste pas ici, cours-les après. Je suis sûr que ce n'est pas du tout dans le travail. C'est pas du tout dans le contrat, ça. Et si tu ne leur fais pas assez peur, ils vont. Ah, si tu ne leur fais pas assez peur, ils vont venir. Je pensais que ça allait être facile. Je te paye pour que tu t'occupes du problème à la racine. Est-ce que c'est une sorte de jeu de mots Allez, go. Ok, on y va. Ah, du coup, on peut recommencer, peut-être, non? On a attrapé une carte. On peut la rajouter au deck, ok. Par exemple, on a cette carte-là. Les enlever.
Ça, c'est notre commandant. On va changer, j'imagine, après. Par exemple, celle-ci, je n'ai pas compris. Hein. Minimum 12. Mais là, on est pas, on est à entre 12 et... Ouais, c'est ça, on est en 12 et 30, donc ça, c'est un deck de 30. Créer un bon deck pourrait être la chance du succès en jeu à Magic un peu, c'est bien. Eh bien, retournons à la map. Top rouge, ouais. Est-ce que je peux recommencer cette partie? Ouais. En fait, j'aimerais bien recommencer pour voir si on peut débloquer le truc et voir ce qu'on débloque. Je vais faire foncer mon commandant. Mais ils ont pas beaucoup réagi tout à l'heure. Et en plus j'ai notre utilisé là. Ah je peux. Peut-être que c'est une attaque à distance, attendez. Oui c'est ça, c'est à distance, c'est très bien. Voilà, comme ça c'est fait. Ah oui j'ai plus. J'aurais pu les bouger encore, mais ça va. Perdu un point de vie. Ok. Ouais, c'est mieux d'être en attaque en soi. On va juste se mettre là, parce qu'il va bouger, et s'il bouge, il peut m'attaquer que si je m'approche trop. Ok, donc lui il va die au prochain tour je pense. Donc si, même si on se met là, hop, on va juste se déplacer. Ah je peux pas bouger tant que je paye pas d'accord. Je sais pas à quoi ça sert. Ah oui d'accord. Ah oui non mais je l'ai dépassé du coup ça sert à que de. Mais là au moins il protège. Là je pourrais l'attaquer direct. Bon vas-y on va l'attaquer direct. Là on a perdu personne. Voilà, donc ça augmente les plantes, les cartes de plantes dans ta main. Après ça détruit. Ok. Ça c'est intéressant, mais du coup il faudrait les sauvegarder dans la main, c'est j'imagine. Attends, on va aller voir le deck. Parce qu'il y a beaucoup de moves. Et au final là c'est suffisant je pense. Cette carte là, elle est peut-être un peu trop. Ça pourrait augmenter des trucs, mais pour l'instant, on connaît pas comment fonctionnent les autres. Faisons le deuxième niveau. On essaye d'aller jusqu'à 30. À 30, dans le sens 30 de l'heure. Parce que là, il est actuellement 17h23. Oh, t'as des super robots jambes. Je ne suis pas une femme unique. Mais je suis aussi fort. Les robots sont cool. Si tu devrais essayer. J'utilise un Tokiwoki. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres personnes qui arrivent? Je pense qu'il y en aura plusieurs. Essayons de gérer cela déjà. Vite que possible. Bah c'est bien, ça veut dire que la map va s'agrandir. Donc c'est exactement comme je pensais que ça allait se passer. Donc on va voir. Là par contre, traverser l'eau, je vois pas ce que ça va donner.
Faut que je détruis le gobelin. C'était le gobelin, ok. Et il y a des... Ah oui, d'accord. Et donc, il y a un nombre de tours avec des renforts. Le niveau 12, là, il a l'air de faire très, très mal. C'est notre boss, j'imagine. Ça tape large, hein. Mais en fait, faut qu'on se protège. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est qu'en fait, il faut se protéger. Là. Je veux juste voir ce que ça donne, la protection. On va voir ce que ça... Ah oui! On va perdre tout de suite, hein! Ah, remarque, si lui il est là, hein, on peut attaquer à distance, ça peut être pas mal. Mais là, il attaque personne en fait. Il y a la manette qui a vibré. Ok, donc là on est plus ou moins en bonne défense, mais par contre... c'est les choses que j'ai sauvegardées ou... Non, c'est ce qui reste. Normalement il meurt là, lui. Il est protégé aussi. Oh, j'ai plus de vie. I don't have the vie. Attendez, parce que hein, il faut que je trouve un truc à faire. Faut l'avoir. Problème. On va avoir un problème. Parce que là, on a plus de vie pour le commandant, mais c'est compliqué. Hein. C'est chaud. Ah, ils reviennent, ok. Là, c'est autre chose. Attends, ça marche à zéro? Ok. Tac. Bon, d'abord attaque. Ah, il va mourir au prochain tour. Ensuite, je mets là. Toi, faut que tu partes. Et toi, faut que tu partes. Ok. Bah, c'est bon. Tu fais n'importe quoi.
Et on va mourir en fait, on change rien ça. Ah, ça, je comprends pas ce que ça fait. Attaque une unité. Est-ce que je peux aller là, dans l'eau? En fait, je me pose la question, voilà, c'est jusqu'ici, ça serait bien. Le temps qu'on attende les retours. Par contre, il n'y a personne qui peut me donner de la vie, donc c'est compliqué. Il y a trop de monde qui arrive. Il faudrait au moins notre lance Spituna. En fait, si je me mets là, juste ici, peut-être en toucher. Hein. Mais non! C'est pas du tout ce que je voulais. Pas du tout ce qui se passe. Enfin bref, voilà. Faut que je déplace vite en haut. Et il y a le kicker qui arrive. Bon, déjà on va faire le déplacement. Ah, j'aurais pas dû le mettre là. Oh là là, c'est pas grave. Je vais ici. Et ça bouge une unité, c'est tout. Plus en fait. Ouais, mais ça arrive tout le temps. Faut que je réussisse à déplacer le truc, le général, mais il a qu'une vie. Lol. Il y a l'autre qui attend là-haut. Compliqué quoi. En plus, je peux même pas taper là. Faire le grand chelem. Ooh.
Ouais, c'est bien, ça veut dire qu'ils sont sortis un peu du truc. La défense y revient. C'est très bien. Je sais pas à quoi ça sert, un play this card to attack. Là, y'a personne. Bon, ça commence à se décanter un peu. Par contre, lui, là, il faut que je me demande tout de suite. Normalement, ça devrait être bon, mais... Bon, ça s'arrange. Ah, la défense de la forêt, elle est efficace. Hein. Ah oui, c'est vrai que je peux pas le taper. Là. Absolument que lui, dead. Voilà. Ok. Il y avait moyen de le faire ensemble. Hein. Mais on a un cactus. Et il est 37, donc on va s'arrêter là. Je répète, vous êtes des losers. On se retrouve du côté de la rivière. Qu'est-ce que tu penses que tu fais? Eh bien, je les regarde là, ils puent et ils sont méchants. Faites attention. Allez, gobelins, retraite. On pue pas, on n'est pas méchants, on est gentils et cute. Bon, maintenant, ils en ont fait quelque chose de personnel. Allez, Carlton. On va finir ce boulot. Arrêtons ces voleurs VJ. Et demandons comment on dit ? Un pardon. Les cris et... Alors, on y va. On a sauvegardé notre commandeur, mais c'était compliqué. Hein. On peut craft. Alors, voyons voir le dernier petit truc qu'on peut faire. On peut craft. Ok. Avec la thune. Où est notre thune ? On a 42 thunes. Ok. Ça, c'est quoi ? De plus de vie. Ah, ça serait bien d'avoir de la vie. Ouais. Ça augmente le boost. Chaque fois qu'elle est jouée, ça rend quelqu'un turn into a stronger version de Fisage. Ah ouais, d'accord. C'est pas mal. Une énergie à chaque tour. Au prochain tour. Okay. Ça, c'est pas mal. Add kick, add hop. Ouais, ça c'est un combattant en plus, donc craft, c'est gratuit. Et après il nous faut de la vie. Je pense que le boost ça peut être pas mal. Voilà, et donc là normalement on devrait enlever du coup... Ah non, on va prendre hop. Hop, hop, hop. On va jusqu'à 30 hein, de toute façon. Voilà. On sauve notre deck. On peut faire déjà une partie, ça me tente de faire une partie encore. J'avoue. Juste pour voir. Parce que là, c'était dur, mais c'était bien. On va faire 18h et après, ouais, on va s'arrêter. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'était pas ce chemin?
Ah, regarde. Oh, cette voix. C'est marrant de vous voir ici, Phoebs. Alex. Nalton. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous pouvez pas voir qu'on est au milieu de quelque chose? Exactement. Ouais, on est en train d'essayer notre première prochaine invention, le Gadget Cup. Commencez. Ok. Je vais faire la différence entre vous deux. Ok. Vous n'êtes que des voleurs. Des copycats. Tu voles tout le temps de mes inventions. Tarleton est une preuve. Regarde ce moniteur inférieur. J'ai été créé pour pouvoir être plus supérieur que des spécificités obsolètes. Ok. Montre-le. Fais une longue division maintenant. Alex, est-ce que tu veux bien te barrer? On est en train de finir un travail. Ah, finalement, tu as rejoint la société civile. La société civile. Et tu t'es trouvé un job et maintenant tu t'enfuis de tes parents? Ça a pris du temps. Je n'ai jamais accepté l'invitation à ma fête à la maison. Dans mon nouveau bungalow. Il y avait du people. On va régler ça tout de suite, avec tes projets nuls. Et contre mes slimes armés. On va voir qui est le plus meilleur inventeur de cette ville. Maintenant, Phoebe, qui est si intelligente, si talentueuse, avec avec des sourcils mignons, prépare-toi à être deuxième. Comment je peux faire, Phoebe? On doit kicker son cul. Ok. Il n'y a pas d'autre moyen de faire. Ok. Bon, il y a encore du people qui va revenir. Et là, il y a quoi? Faut que je récupère le Vigi. Avant les slimes, ok. Avant les slimes. Écoute, c'est parti. Ok, donc ça c'est les bonus, les objectifs bonus. Faut battre les ennemis, voilà. Allez. Ah oui, 3 quand même. Ah, je l'ai pas. Je ne l'ai pas. Tout de suite. Le cactus baril, restaure 3 HP, c'est très bien. Là, je l'ai pas. On va voir. Ah, je crois que j'ai pas bougé mon commandant. C'est pas grave. Allez, faut l'avoir avant. Dans un rapport de protection. C'est bien. Voilà. Dane. Je peux juste reculer. Non, je peux pas reculer. Dane. Ah bah, il va mourir. Mince.
Ok, c'est archi efficace. Ok, c'est pas mal. Les achats étaient cool. Nécessaire mais cool. Je vais l'attaquer maintenant. Il marche pas beaucoup, je vois le... Notre ami cactus baril, le baril de cactus. Ah oui, distance. Ah, j'avais pas vérifié ça. Les bleus, c'est distance? Après, je suis toujours protégé, je vais ramener Spituna, hein, ça serait bien. On va restaurer 3 HP si je veux. Ça sert à rien parce que t'étais déjà plein. Là, je suis dans son range. Ça, c'est dans son range. Ça, c'est range. Ok. Je vais déplacer notre... En fait, on va faire ça. Pour qu'il puisse passer par là. Non, mais en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Voilà. Comme ça, on peut interchanger. Je vais attaquer pour moi. Je peux faire une attaque? Non, c'est bon. Faut qu'il arrête d'être cac lui. Ok. Toi déjà faut que tu t'arrêtes d'être cac. Toi faut que tu t'avances. Je regarde pas assez mes points d'attaque. Ça c'est pas grave. Ça c'est un peu plus grave. Bon, après je peux avoir le kick. Faut que je déplace mon... J'essaie d'éviter qu'il se tape... Ah. Plus grave. C'est là où Spituna en fait on aurait dû faire déplacer. Ah là là. Bon du coup on va le charger avec. Thank you.
Hop. Ah mais je peux pas le faire maintenant. On a de la thune, super. Bon bah voilà. Comment c'est possible? Bande de sale gueule. Bande de monstres. Tu as détruit tous mes slimes. Et on était deux étages au-dessus. C'est ce qu'elle dit, ce qu'elle est en avance. Peut-être que tu as gagné cette fois-ci, mais la Gadget Cup est un autre niveau. Allez, on y va, Snarlton. On devrait y aller avant pour fêter notre prochaine grande victoire. Et on devrait leur donner au moins le prix de l'effort. Bon, maintenant qu'on a géré cette interruption, on doit avancer. Oh, allez. Allez, faisons des gobelins. Du coup, c'est là où nous on s'arrête. Donc ça sera la fin, j'imagine. Je vais laisser comme ça. Je vais vous laisser là. Je vais voir qui est en raid à raider. S'il y a du monde à vouloir se déplacer. Sinon, on fait un host. Voilà, voilà. Je vais voir qui y a qui dans le coin. Y a qui? Treving. Ah bah oui, ce serait marrant, tiens. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Craving Bell, ça fait genre 600 heures qu'il est là. Voilà, hop. Bon, bah merci, hein. Désolé du problème de connexion. Je ne sais pas d'où ça vient. Je contacterai les opérateurs téléphoniques du monde entier pour savoir d'où vient le problème, bien entendu. Vous doutez qu'on est ici pour faire en sorte que ça roule. Merci d'avoir été parmi nous. Ouais, bonne fin de journée, parce que il est actuellement 18h, et ça fait donc 7h que Raymond Bell est dans le coin, à faire tomber, ouais, je vais essayer de faire tomber des têtes. Je compte commencer par des grands groupes, bien entendu, de téléphonie française. Voilà. Merci d'avoir été dans le coin. Il reste actuellement 40 secondes. Je vais vous laisser sur la page de fin de ce stream. See you soon. Merci d'avoir été au moins courageux, courageuse de m'accompagner. À plus.